Bonjour à tous et bienvenue dans la compagnie. On est une bande de meilleurs copains à la base, mais aujourd'hui on est ennemis. Les deux duos aujourd'hui vont s'affronter sur les 4 jeux d'enfants les plus connus. La marelle, la course de sac à patates, le tourniquet et le colin maillard. Vous êtes prêts les gars? Voici l'équipe des intellos Tanguy et Benjamin. Bonjour à tous. Et maintenant voici l'équipe des cancres, Alan et Maxime. Le vainqueur des duos qui gagnera tous les défis des enfants gagnera la tirelire. Quand on a un vote Boozer, eh ben vous pouvez attendre Mario. Peut-être que les notes de ma dictée font un peu peur, mais Dieu sait que l'après-midi, moi je m'occupe de ta sœur. Moi ça m'a fait rire. Avant de commencer, on pense au harcèlement à l'école, on est bel et bien contre ça et fortement. Un petit mot les gars contre moi j'ai le premier. Alors non au harcèlement parce que ça peut vraiment gâcher de vie et même le début d'une vie, donc ça peut être très dangereux. Que vous soyez différents, faites-en une force, vous êtes différents, vous êtes uniques, faites de ça une qualité. Exactement. Et si vous avez un problème, appelez Benoît Saint-Denis, il va casser la gueule. J'ai vraiment la meilleure classe de la région. J'ai la meilleure classe de la région. Je suis Michael le professeur et je vais vous présenter mes élèves. Y'a quelqu'un qui cherche la bagarre, je suis là. Bagarre. Vous l'avez deviné, c'est la ligne de départ. À cloche-pied, on doit sauter. On part de la ligne. On doit sauter dans les Lego, ici, dans les Orbeez, dans les deux machins. Au bout, on saute derrière le bâton. Hop. On vient saisir le bâton que Alex aura enflammé auparavant, comme une torche. Et on fait le retour de la même façon. Pied, un pied, un pied. Et il faut atterrir sur la ligne d'arrivée. Tout ça avec nos chaussures? Non, les gars, bien évidemment, je vais vous demander de vous mettre pieds nus, s'il vous plaît. Même pas peur. Super important pour les règles. Si vous touchez le bord, là, c'est mort avec votre chaussure. Pareil, si vous êtes déséquilibré et que vous tombez. Si vous posez les deux pieds à côté, c'est fichu. Je vais veiller à ce que le pied soit vraiment dans la marelle, dans le cercle de la marelle. Je serai professeur et arbitre pour cette vidéo. C'est parti, que la vidéo commence. Bon appétit. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour le temps de départ? Oui. C'est Alan qui commence parce que c'est mon préféré. 3, 2, 1, c'est parti les mecs. Allez. Pendant que mes élèves sont en récréation, on a une super offre pour vous. C'est NordVPN qui nous accompagne sur cette vidéo. Je vous en parle juste après. NordVPN, ça sert en gros à regarder pratiquement ce que vous voulez, où vous voulez. 1, 2... Perdu. Et on revient tout de suite à Alan qui vient de perdre le défi. Alan a mis le pied à côté, il a glissé sur notre fameux tapis de gel. Ça glisse trop. Au coin. Ça glisse trop. On se calme. Élimination d'Alan. Pourtant je me suis concentré mais ça glisse trop le dernier. Regarde, ils vont tous se planter là, tu vois. C'est au tour de Benjamin de s'élancer. Benjamin, top départ. Merci maître, je suis pas votre préféré moi. Pas pour le moment, on va voir ce que tu vaux. Ok, les Lego donnent pas envie hein. Allez marche. Pendant que les enfants sont en récréation, je vais continuer. Par exemple, Netflix ou Disney proposent des séries différentes suivant les pays. Et avec l'abonnement NordVPN, vous pouvez vous déplacer virtuellement dans le monde. Donc vous avez accès à toutes les séries où vous voulez, quand vous voulez, et surtout à des meilleurs prix. Par exemple, pour ceux qui sont adeptes de la Formule 1 ou du foot, vous pouvez regarder la Ligue des Champions depuis votre canapé en France, mais connecté sur le serveur en Belgique, gratuitement. Ça fait du bien. J'ai pas fait exprès. Oh non, celui-là a l'air très dur. Oui. Benjamin, c'est pas tout maintenant, faut faire le retour. Oh bah oui, j'avais oublié. C'est parti. J'en profite pour vous dire, le feu ça me fait penser au dark web. Et NordVPN ils font tout ce que les concurrents ne font pas. Par exemple avec NordVPN, vous pouvez être informé si jamais des informations sur vous fuitent sur le dark web. Ils vous envoient un email et ça c'est super pratique et très rassurant. Ça va Benj? Allez, si vous faites du montage ou vous utilisez la suite Adobe en passant par l'Argentine ou la Turquie avec NordVPN, vous vous mettez virtuellement là-bas mais tout en restant en France bien sûr, et ben en fait vous pouvez avoir des meilleurs prix et ça c'est super pratique. Ça marche pour tout, pour les billets d'avion, pour les voyages, tout est moins cher. Vous choisissez votre pays et vous choisissez le prix qui vous convient. C'est de la grosse bombe. Bravo.
Pouille. Bravo. Bravo, Maj. Un point pour moi. Un point pour l'équipe des intellos pour le moment. Dernière chose à dire sur NordVPN, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et ça peut être connecté sur 6 appareils en simultané. Et ça, c'est super pratique pour ceux qui ont des familles nombreuses ou plein de potes. Pour tout vous dire, j'ai passé le cap très récemment et pour le prix que c'est déjà rentabilisé, c'est super pratique. Ça sert tout le temps, tous les jours, je m'en sers. L'offre qu'on a réussi à dégoter pour vous, les gars, c'est 4 mois gratuits plus 2 ans d'abonnement. Si vous prenez cette offre avec le lien dans la description, vous avez tout ça qui est offert par NordVPN. On essaie de vous proposer les meilleures choses qu'on puisse, donc en espérant que ça vous fait kiffer, le lien est dans la description. Pour le moment, un point pour l'équipe des intellos, 0 point pour l'équipe des dires à cuire. C'est parti, on continue. Maxime le dire à cuire, est-ce que t'es prêt? T'es la seule personne qui peut encore faire gagner un point à ton équipe. Bonne chance. Allez Max, allez Max, sinon on a perdu. 3, 2, 1, Maxime tu peux t'élancer. Moi, ça va, 3 et 4. Ah, je crois que Maxime a réussi. Bravo Maxou. Bravo Max. Le dernier c'était très dur. Allez c'est parti. Allez Maxime, il faut ramener le morceau de bois. C'est bon, c'est bon, ça passe. Ah, allez Maxou. Allez courage mon Max. Attention, et un point pour Maxime. Nous sommes à ex aequo. Un point pour l'équipe des intellos et un point pour l'équipe des truands. Mais Tanguy n'est pas passé. Voilà. S'il gagne, nous gagnons la manche. Tiens à dire quand même qu'il s'est éteint le bâton en venant. Maxime, bravo. Merci. T'es passé à la marelle enflammée. Du savon, maître. Très difficile. Ah, c'est la plus compliquée, c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin. Seul Tanguy peut remonter les points pour l'équipe des intellos. Tanguy, bonne chance. Merci, maître. Y a que toi qui peux faire gagner ton équipe. Allez, Tanguy, on fait notre check suprême. T'es le meilleur. T'es le meilleur. Ils disent que c'est l'équipe des durs à cuire, mais les intellos peuvent être des durs à cuire également. C'est vrai. Vais vous le prouver. Donc il c'est encore plus dur. Oh, oh. Ah. Ah. Oh. Vas-y Tang. Bah, c'est le plus simple. Bonne chance. Oh, il a pas déclenché. C'est bon, ça passe. Tanguy a maintenant la torche en main et il doit faire le retour. Bonne chance Tanguy. Plus que le retour. Oui. Aïe aïe aïe. Non, laisse tes lunettes au sol. C'est trop tard pour les lunettes. Il ne voit plus rien sans ses lunettes. Oui. Yes. T'es le meilleur, ben ça va. Monsieur, s'il vous plaît, on joue pas avec le feu. Et j'annonce les garçons pour l'équipe de la Marelle, la victoire pour les intellos. Bravo. On va s'équiper les garçons parce que là c'est le cours sportif, là je suis prof de sport. Et les Valan, vous pouvez sortir les sacs s'il vous plaît. J'ai vu que vous les avez volés là pour les ramener chez vous. J'ai vu, il faut pas les ramener chez soi. Vas-y, fais ce que le prof il dit. J'ai pas envie de me prendre encore de la colle. Et là on vous a pas dit mais il y a plein de pochettes de bœufs. Là voilà les voleurs, ils sont ici, oh. Les voleurs du lycée. Monsieur, regarde. Allez, tu te les prends, partagez. C'est quoi ce jeu là? Ah t'as pas dit merci monsieur. Merci. Oh attention, ça va tirer. Les gars, vous connaissez tous le jeu du sac à patates. Oui. Vous allez tous avoir du coup un sac à patates chacun. Okay. Et c'est très simple, hein. Vous montez au sommet de la montagne là-haut. Et nous, on vous attend à la ligne d'arrivée. Le premier qui passe la ligne fait gagner son équipe. Les règles sont simples. Bonne chance. Et surtout, bonne chance pour monter en haut. Qui va gagner là? Moi. Toi? Pourquoi? Bien sûr, parce que j'ai des grandes jambes. La dernière fois que t'as descendu un truc, t'as fini à l'hôpital. Victor, je suis pas en trottinette. Non. Impératif, vous devez revenir avec votre GoPro. Si vous tombez, vous la récupérez. Nous on est chaudes. Bonne chance à tous. Ok, nous on est chaudes. Voilà. C'est parti, vous pouvez commencer à monter. 3, 2, 1, top départ. Dans l'autre sens, moi. Benjamin, là-haut les mecs. Bon bah nous, il y a pas photo, on sait qu'on va gagner. On sera plus rapide. Sûr? Bah ouais, on est les meilleurs. On est les meilleurs, je sens un 4-0 pour cette manche, Victor. Ok. Et toi, Alan? Désolé, je marche trop vite. Moi je vais gagner, c'est sûr. Pourquoi? Parce que j'ai tellement envie de faire caca. Je suis un peu malade, du coup je vais vite descendre. Ah, bon bah ok. Les élèves sont en train de monter la pente et moi je les attends ici, sur la ligne d'arrivée. On est dans une magnifique station qui s'appelle Grès-en-Vercors. On est dans un lieu magnifique, regardez. Hop là. Et là, si vous voyez pas sur le téléski, c'est marqué pente supérieure à 50 degrés. Donc ça veut dire que il y a du dénivelé. Alors plus on monte, plus la pente est raide et plus il y a de cailloux. S'il y en a pas un qui ressort sans se faire mal sur cette épreuve, je veux pas porter la malchance, mais ça va être quelque chose. En gros, ça c'est une piste noire de ski. Donc ça monte, enfin ça descend vraiment fort. Je vais pas vous mentir, compte un petit peu sur mon ami Turbo Tanguy. Il peut être très fort, mais je vais tout donner pour être premier aussi. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est quelque chose, hein. C'est très fendu. Resserre-moi la main.
Les durs à cuire font la paix avec les intellos. Et ça, c'est ce qu'il faut faire dans les collèges, tous les collèges de France. C'est vrai, Max? Bah oui. Bonne parole. On a dit que les durs à cuire pouvaient être les intellos. On est tous humains. Oh putain, j'ai le stress. Vous avez pas de stress? Putain, mais il est tout petit, mon sac, les gars. Ah ouais. C'est normal que t'es le plus petit, toi. Non, je suis pas le plus petit. Ah si? Allez, vous êtes prêts? Allez. Il nous donne le top en bas. Attention pour le top départ. Bonne chance, les losers. Bonne chance. Bonne chance. Attention, 3, 2, 1, top. Et voilà, c'est parti, la course est lancée. Vous avez maintenant les vues de GoPro des candidats. Merde, mes lunettes. J'ai perdu mes lunettes. Qui est tombé? Ça m'arroule. Ça m'arroule. C'est très très drôle. Parfait. Ça se tient pour l'instant. Ouais, ça se tient. On voit Benjamin, l'équipe des intellos qui fait de belles roulades. Maxime est en dernière position. Première position, Alan. Allez, Alan. Regardez-le. Vite, Michel, ils arrivent. Ils arrivent. Vas-y, prends ton temps, Alan, c'est bien. Alan, tu fais pas une petite pause. Je suis tombé. Allez, courage, les mecs. Nous avons Alan qui est en première position et de loin devant ses concurrents. La première personne qui passe la ligne d'arrivée fait gagner son équipe. On l'attend derrière la ligne. Vas-y, Alan. La course de sac à patates bat son plein. Donne-moi ta main. Oh non, on finit la ligne d'arrivée ensemble. Tanguy, tu peux. Tanguy. Bravo les garçons. Bravo. L'équipe des durs à cuire a gagné l'épreuve des sacs à patates. Bravo les mecs. Oh, vous avez joué un carton? Alors, tu fais une tête? Yes. On est trop fort. Des vrais durs à cuire, nous. Quand il y a des trucs difficiles, des compliqués, des dangereux, on est en tête, hein. Et le dernier arrivé, Benjamin, bravo pour ta course. Ah, mais c'est que vous transpirez, les gars. C'est super physique. Un petit mot, s'il vous plaît, pour l'équipe des intellos. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Pourquoi vous avez été plus lent que les autres? Benjamin, t'as vu faire des belles roulades. En vrai, je pense que moi, je suis tombé trop de fois. J'ai voulu aller trop vite. J'ai fait que de me péter la gueule, alors qu'Alan, je crois qu'il n'est pas tombé une seule fois. Pareil, j'ai fait tomber mes lunettes. Et... Ah mais on peut pas tout avoir. Ah oui, hein. Et après, trop dur d'aller vite et de pas tomber. En vrai, Alan est pas tombé une seule fois. Non. Ouais, il était très fort. Bravo les gars. Bravo. Je vais aller voir l'équipe. Bravo Tanguy. Les têtes brûlées. Conseil aux intellos, il faut avoir les jambes musclées, les gars. Bravo, bravo, bravo aux vainqueurs, hein. Bravo. Bravo, bravo les gars. J'entendais Benjamin, il révisait son plus que parfait, alors que moi j'étais en train de plus que parfait. En fait, j'ai fait tomber mon cahier de maths, du coup je suis allé le récupérer. Il étudiait la descente de la pente. J'avoue que Alan a été quand même plus fort. Tu as été le premier. Merci. Est-ce qu'on n'assisterait pas à une réconciliation entre l'équipe des intellos et l'équipe des durs à cuire? Jamais. C'est peut-être un peu trop. Jamais. Si vous êtes encore en concurrence pour vous départager, on passe à la prochaine épreuve. C'est parti. Vous êtes pas en prochaine. Vous êtes pas en prochaine. Tiens, les intellos, ils sont chauds maintenant. Les intellos, ils sont chauds maintenant. Ils sont chauds, les intellos, là. Non. Bon, les gars. Là c'est simple, les garçons vont arriver, moi j'ai les yeux bandés, j'ai un taser, c'est Colin Maillard. Je vais devoir les taser dans toute la pièce, il y a des GoPros de partout là qui nous regardent. Je vais appeler les garçons, est-ce que vous êtes prêts? Allez. C'est bon les gars, vous pouvez venir. Regardez ce qu'ils ont sous les pieds, je vais les voir arriver. Entrez les enfants. Bonjour. Entrez les enfants. Entrez. Alan va me servir d'exemple. Ils ont des petites choses sous les pieds qui font du bruit. Si j'entends du bruit, moi je tase. Par exemple, moi j'ai les yeux bandés, les gars. Vous vous cachez où vous voulez dans la pièce. J'ai les yeux bandés et je dois vous taser. Si vous êtes touché, vous êtes éliminé. La dernière personne qui est encore en jeu fait gagner son équipe. Question, on peut se cacher là-dedans, genre? Non, interdiction d'aller dans le coffre et interdiction d'aller dans la buanderie. Et dans le frigo. Et dans le frigo. Ça, c'est des jouets pour les chiens. Il va pas y avoir de bruit dans la pièce. À chaque fois qu'on va marcher, Mick, ça va lui donner une information de où on est. Il va vraiment pouvoir nous fumer la tête. Attention, ne reproduisez pas ça à la maison, le taser c'est très dangereux. On est des professionnels et on fait ça pour le divertissement, mais ne le faites pas chez vous. Oui. En vrai, moi je vais sortir, je compte jusqu'à 20 et vous vous cachez où vous voulez. Là c'est bon là. Ouais, là tu pars. Hein. Ouais, ok. Attention, si vous êtes dans la salle de bain, vous pouvez vous retrouver coincé. Allez, bonne chance. Ouais. C'est parti les gars. Mais se cacher de quoi? Tu crois qu'il nous fait peur avec son bout de taser? Personne se cache là. Regarde, je vais le voir. Si. De toute façon, t'es pas capable de rester là. Allez, ça commence. Je rappelle, avec interdiction de sortir, interdiction de sauter par la fenêtre, interdiction de se mettre sur la plaque de cuisson. Oh. Et interdiction
de se mettre dans son camarade. Dedans? C'est ma maison, je la connais par cœur, donc là vous allez... En fait, il faut que j'arrive à balayer. Je sais comment je vais balayer. Là, là, il y a quelqu'un qui est piégé complètement. Je sais que c'est ma salle de bain ici. C'est bon. C'est la voix de Maxime. Je garde mon bandeau pour le suspense. Maxime éliminé, bien joué. Si tu voulais tous les rouleaux. C'est un Max. Les rouleaux sont tombés. Ok les garçons, l'équipe des durs à cuire a perdu un de ses candidats. Il reste plus qu'Alan. Oula, attendez, j'ai perdu mes repères. Hop là. Là, j'en ai piégé un dans la chambre, c'est sûr. Il y en a un qui est piégé dans la chambre. Peut-être sous le bureau. Et maintenant, derrière la porte. Ah bah là, j'ai juré. J'aurais juré qu'il soit derrière la porte. Essayez de jouer. Attention! Attention, on y jouait, hein! Putain, c'est qui là? Ah, qui c'est lui? Dans la chambre, je sais que je peux en attraper là. C'est la finale, l'ami, c'est ça? Ouais. Allez, Benj, je crois en toi. Les gars, j'ai une proposition. Je sors 20 secondes, vous trouvez une planque et vous n'avez pas le droit de bouger quand j'arrive sur vous. Comme ça, moi, je dois balayer l'appartement. Ok. Ok. Ok, j'ai la validation des deux candidats. Je sors 20 secondes et quand je passe la porte, pas le droit de bouger, vous devez rester en boule. Bonne chance, les gars. On trouve la bonne cachette, quoi. C'est ça. Gars, vous allez où? Benj. Je vais utiliser là, j'ai eu de la chance. Une fois, je mis sur la même cachette que tout à l'heure. Bonne chance. Et toi, Alan? Moi, tu vas où, toi? Non, c'est moi. Mais non. Mais pourquoi tu me prends ma cachette? C'est parce que c'est la mienne que j'ai dit. Mais non. Vas-y. C'est un tricheur, non? Ah, ça va pas tenir, Alan. Si. Non, ça va pas tenir, Alan, je t'ai pas mis. Oh, Alan, tu vas faire quoi? Regarde, moi, je vais me cacher dans le l'étendoir. En vrai, je suis bien. En vrai, t'es bien. Bonne chance, Alan. Allez, bonne chance. Allez, bonne chance, moi. Docteur, l'entrée? Bah oui, c'est chez moi, je peux entrer. Je vais partir du centre de l'appartement et puis je vais balayer comme une coquille d'escargot. Ok. Je vais partir par là. Ils ont laissé mon étendage là? Pas trop, non? Bon, on commence toujours par la chambre. Pas le droit de bouger. Ça va être vraiment stressant de voir arriver le taser sur toi. Pas le droit de bouger. Non, mais. Personne sous le bureau. Heureusement. Ouais. Personne dans mon lit. Ok. Alan tout à l'heure m'a demandé si on pouvait se cacher sous le matelas. Est-ce que tu vois Alan? Je sais pas. Bon, on va voir. Je pense que la chambre est totalement vide. Ok. Doucement. Là il doit stresser là. Je balaye le salon. Vas-y. Ici il y a un étendage. Oh putain. C'est qui? C'est qui? Ah, là. Victoire! Ça va? Ça va, j'ai vu. Ça va? Ah ouais, je me suis cogné ici. Ouais, désolé, t'es pas dit. Bon, du coup, Benjamin a gagné. Tu veux voir où il était ou pas, son bandage? Je pense que Benjamin, il était dans la salle de bain. Vas-y, va voir. Pour le compte, tu vois. Non. Si, il est dehors, s'il te plaît. Bravo, Benji. Désolé, j'ai pas pensé. En vrai, tu l'aurais pas trouvé. Bravo, les gars. Une victoire pour l'équipe des intellos. Félicitations, Benj. 2 à 1. J'ai Mick, je me suis déjà sauvé la peau dans cette cachette une première fois quand t'as tasé Max ici. Ah, t'étais déjà là? J'étais déjà là. J'ai foncé dedans, vraiment. Bravo, l'équipe des intellos. On passe au dernier challenge. Attention les garçons, on fait un test, c'est parti. Wow. Ah
Voici un tourniquet, voici un scooter, voici Alex qui va faire tourner le scooter et voici les deux équipes concurrentes. À la base de la journée, étaient meilleurs potes, mais aujourd'hui, ils sont là pour s'affronter. On va exploser les durs à cuire. Et nous, on est les intellos, les intellos. Et on a toujours 20 sur 20. Et les intellos, oubliez pas, c'est un peu castagne. Est-ce qu'il y a du répondant chez les durs à cuire ou on se laisse marcher dessus? J'ai déjà le tourné, moi. Les intellos, ils font que de rigoler. Je suis là jusqu'à 23h. Ils savent pas que quand on n'a pas de cerveau, on peut pas avoir le tourni. Vous avez pas, vous avez pas conseil de discipline? Pas de cerveau, pas de migraine, comme on dit. Ok, les gars, les règles, attention, ouais. Je vais être intransigeant sur les règles. Non, j'ai oublié ma règle. Non, je parle de règle du tourniquet. Ah, okay. Bon, ne pense pas trop aux mathématiques, Benjamin. Là, vous allez vous affronter un par un. Ça sera Alan contre Tanguy et Maxime contre Benjamin. Chacun son tour. Si les deux de leur même équipe gagnent, c'est la victoire. Et si ex aequo, à la fin, les deux meilleurs se verront départager la finale. Donc c'est ou deux manches ou trois manches. Tanguy, Alan, je vous invite à commencer. Allez. Prends toute la place. Bah impose-toi mon grand, t'es un castagneur toi. Bah Alan, en vrai, viens, on se respecte. On oui. Prend chacun la même place. Voilà. Ils sont en fait un gros plan de vos têtes là, vas-y Alan. On va en mettre deux. Attends, mais je prends la même place. Mais en fait, il recopie parce qu'il sait que j'ai les bonnes techniques. Non. Bah oui, tu recopies l'intello, c'est t'as toujours comme ça. T'as pas une technique différente, genre en mode plus intelligent que moi. Ça, c'est très bête. Et ça va t'arracher aussi. Attention. C'est parti. Prêt les gars, c'est parti. Tenez bon au début. Vous êtes bien positionnés. Attendez, attendez, j'ai perdu mes lunettes. Ah, trop tard. 3, 2, 1, attention, moteur. Voilà, ça va vite. Hein. Là, ça va vite. Là, ça va vite. Waouh, on s'en rend. Allez, oh là là. Oh, c'est tranquille. Je vais vomir. Je vais vomir. Je vais vomir. Oh non, je vais m'évanouir. Non, non, arrêtez, je vois plein de points. Si vous voulez qu'on arrête. Je vois plein de points. Si quelqu'un met son pied à l'extérieur, il a perdu. Allez Alan. Je vois plein de points. Tu tiens. Continue à tourner alors. Allez, laisse nous tourner mon vieux. Allez Alan, tu tiens. Attendez, stop. Ah. Il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit. Oh non, c'est pas vrai. Non mais c'est pas vrai. Ça va Alan? J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, ça tombe pas. Un mot sur ta défaite Alan? Ah attends. Comme il est blond les gars, Alan ça va en vrai? Ouais. Je déteste ça. Bravo. Bravo Alan. Bravo. Ça a tourné hein. On est plus trop dur à cuire hein. Non, non. 0 sur 20. J'ai encore l'impression de tourner. Max, t'es confiant? Ouais. D'avoir vu les autres, ça m'a mis en goût. J'aurais presque préféré passer en prime. Je sais pas ce qu'en pense Max. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que finalement ça a l'air tourné assez. Mais assez hâte d'essayer quand même. Vous pouvez vous tenir que à cet arceau. Benjamin, si tu gagnes, tu fais gagner ton équipe à la vidéo. J'ai la pression de fou. Maxime, j'ai l'impression d'être au tir au but d'une Coupe du Monde là. Il y aura une revanche. Bonne chance les gars. Merci Michael. Bonne chance. Et attention, deuxième manche. Ils sont ici, ils sont pas prêts. C'est pas grave, on est parti. Bonne chance les mecs. Allez, Benjamin. C'est parti. J'y vais gagner. Oh. Et c'est parti, ça allez, tourne Benj, tiens bon. Et ça tourne. Tiens bon, Benj. Oh là là, Alan il est pas bien là-bas. Tain, ça tient très bien de ce côté-là, ça tient très très bien les garçons. Très, incroyable. Très confiant. Je le fais tourner. On met un coup de coude là si vous voulez. Oh là, je pense que je leur donne beaucoup de vitesse. Putain, je vais lâcher. Non. Maxime a lâché. Il a tout lâché une caisse. Hein. Mais vous allez tomber. Vous allez tomber, oui, oui ou non? Oh, ça va, Benj? Non. Oh. Non, Benj. Attendez, jouez. J'essaie de courir. Attention. Oh. Non, ouais, j'ai perdu. Oh, c'était tellement dur. En fait, j'ai fait l'erreur de fou. J'ai essayé de me reculer un moment et avec la centre de gravité, j'étais comme ça. Oh. Vous savez ce que ça veut dire, ça? L'égalité. Des intellos. Égalité. Vous allez devoir rejouer la manche. Okay. Et du coup, Tanguy, il faut que tu reparticipes. Après, bien joué, Benj. Oh, Max. J'espère que ça t'a pas déstabilisé quand j'ai dit que j'allais lâcher. Je parlais de lâcher une caisse. Si. Je parlais pas de lâcher le tourniquet. Max, ça m'a déstabilisé. Et ben, c'est bien fait. Du coup, je me suis relâché un petit peu et c'était impossible. Si tu te mets un peu comme t'as ça. T'as vu que bon. Dès que tu te relâches un tout petit peu, c'est mort. Ouais, ouais. Moi, il y a un mort. Moment où j'ai lâché un peu et j'ai senti que j'allais partir. T'es mort. Si je comprends bien, Maxime, tu as gagné grâce à ton P. Oui. Je suis un dur à cuire. Max, tu as gagné grâce à ton P. Parce que Max la pète, il a gagné. C'est parti, c'est la grande finale. Allez, celui gagne. Qui gagne ça, gagne. Gagne. Bah non, c'est ex aequo si... Il joue pour l'égalité. Voilà. Tu vas gagner, c'est la revanche contre les durs à cuire. Les intellos, on se laisse battre. Il est où ton coach, Max? Il est gambade. Allez, attends. 3, 2, 1, et ça commence.
Ouah, là ça va vite. Là ça va vite. Ouah, là ça va vite hein. Allez les gars. Allez. Allez tout le monde. Alan, vas-y, rejoins-les. Alan, rejoins-les. Allez bon mage. On doit les faire lâcher. Tankien. Ah c'est rude, regardez. J'ai plus de bras. Non. Allez. Non. Non, tiens bon. Est-ce que tu veux qu'on arrête? Stop les gars, stop. Stop. Bravo, entendu. En fait... Non. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Vas-y, marche. Non, mais j'ai abandonné. Hein. Ça marche. Bon. On dirait que j'ai pris un KO. DG, ça ferait DG. Bon, bah, Maxime, t'es prêt pour la NASA, c'est bon. Bravo. Bien joué. Comment vous vous sentez? Ça tourne. Bah, il y a égalité. Égalité parfaite. Ça se finit bien. Et bah, Alan Benjamin. Non, j'avais prévu, les gars, cette égalité parfaite. Est-ce que vous voulez qu'on s'assoie sur un banc? Parce que moi, j'ai pas vécu ça, mais je vois que vous êtes tous tout blancs. Un énorme merci à NordVPN qui nous a accompagnés sur ce concept. On a pu s'acheter, vous avez vu, un joli Vespa qui va nous servir dans une prochaine vidéo. Donc, grâce à eux, on peut faire plein de projets. C'est incroyable. Ça nous aide, nous aussi, à. Parce qu'on est quand même 5 gonzes sur la chaîne, donc faut qu'on arrive à vivre. Et c'est grâce à des marques comme ça qu'on peut vivre. Donc, merci beaucoup. Je vous remets donc la tirelire à vous tous. Vous la cassez comme vous souhaitez. Tout le monde a gagné la tirelire. C'est incroyable. Hein. Et au moins ça fait la paix entre les... ça fait faire la paix entre les durs et les intellos. On va aller manger des bons. J'ai pas envie qu'il y ait des bouts partout. Non, c'est ce petit papier. Attention. On lit tous ensemble. Alan, tu nous lis? Lisez à voix haute. Un bon pour un goûter. Ah. Et ben voilà les gars, j'ai pris des petits écoliers, des Mikados, le goûter qu'on a tous kiffé quand on était petit. Ah oui. Donc, hop, hop. Non. Il me saoule lui là-bas. Il va récupérer la sacoche. Retarde, je me casse. Non, mon pouce côté. Non. C'est la fin de cette vidéo, on vous fait des gros bisous. Il arrive, fais gaffe. Une dernière chose, si tu cliques sur ce bouton, on va dépasser Squeezie, grâce à toi. Et ça, c'est un truc de ouf. Je te fais confiance. Ciao, belle. Non mais la sensation, alors là, je suis choqué. Je m'attendais pas. Alors, Alan. Oh non.